Coucou, me revoilà, nous sommes en Grèce. Ici, si vous n'avez pareil jamais vu de vidéo là-dessus, on a fait des monuments dans le style de la Grèce antique. Apparemment, les poules aiment la Grèce antique. Et les zombies aussi. Alors voilà, je vous montre d'abord les petits trucs. Donc les temples qui se ressemblent un peu, mais c'est normal, hein, c'est style... Ah, on a vu. Là, c'est le premier temple que l'Ophée a fait. Il a fait aussi un arbre un peu gerbos, là, à fond. En plastique. Ça fait, hop, trois moutons qui sont apparus. Bah, c'est normal, c'est le temple de l'Ophée, donc ça attire fortement le mouton. Donc, c'est un exemple qu'il a fait de temple pour donner un petit peu des idées aux autres. Voilà, donc il y a des temples un peu partout. Il va y avoir un village a priori de pauvres entre guillemets, enfin bon, un village avec des maisons plutôt qu'avec des temples. Personnellement, je ne peux pas passer à côté de ce que j'ai fait. J'ai aussi fait voir un petit temple. Je vais faire mettre le feu du Netherrack, mais il y a une protection depuis peu. Avec un petit jardin à côté et un bassin. On a une tour de guet, je ne sais pas si c'est très grec. Et nous avons aussi un... cheval de Troie, mais qui a subi après le passage de nuages radioactifs une mutation en Tekel de Troie. Ouais, fameux Tekel de Troie. Pas mal, hein. Donc on va voir la pièce maîtresse de cet endroit qui, encore une fois, a été réalisée par Dieu, c'est-à-dire le boss, c'est-à-dire Monsieur Lophée. Car il a tous les pouvoirs. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi je l'appelle Dieu. Bon, ben, je crois que vous avez une petite idée d'ailleurs. Le Parthénon, qui a été réalisé certes à la main, enfin, en prenant le matériel. Alors, on sait qui, vraiment. Pas de l'en vouloir, hein, la taille du machin. Voilà, donc il a fait un temple classique, mais en trois fois plus grand que ce qu'il a fait par ailleurs. Là, il a rajouté de la Lightstone. Donc, ces proportions sont gigantesques. Et nous avons ici Dieu. Connaissent pas, c'est le skin de l'Ophée. Et la preuve que c'est l'Ophée, je vais vous montrer, c'est que comme l'original, la tête est creuse. Donc nous avons ici un endroit où nous pouvons venir faire nos offrandes à notre maître, sacrifier des moutons vierges, ce genre de choses. Voilà pour la Grèce, mes amis. Et ces temples magnifiques. L'ensemble est vraiment bien, je trouve. L'ensemble est bien. Bon, c'est pas un endroit de vie. Ah, là-bas, il y a une statue en cours de formation assez gigantesque. C'est pas un endroit où on vit vraiment, mais bon, bah, c'est un projet cohérent et qui donne bien. On va se retrouver dans pas longtemps pour aller voir une autre pagode. A tout de suite. Voilà la sixième merveille, vraiment aussi que je trouve très sympathique, malheureusement à l'écart. Je vous ai déjà montré avec LR6 la pagode des brumes. Donc vous voyez, c'est... Enfin vous voyez, je sais pas si vous voyez, donc c'est un peu à l'écart. C'est vrai que l'environnement neige, c'est sympathique pour faire un truc chinois, parce que en Chine, il y a des endroits, bah des fois, bah, c'est blanc parce qu'il y a de la neige. Alors c'est très bien, n'est-ce pas, hein ? Commentaire de qualité. Elle a été faite par Faust. Alors il s'appelle Faust quand il peut, sinon c'est Ghost sur le serveur. Je voulais rétablir cette vérité. Ah, je vais pas rentrer. Ya, Mais oui, je suis un fou, je suis un déglingo. Je saute. Ah, il y a du courant, j'arrive pas à monter, que se passe-t-il? Voilà donc l'entrée. Je suis jamais passé par là. Ah bah oui, sympathique. Une pagode des brumes que je trouve aussi donc hein, vraiment bien fichu, bien ficelé. Bon là c'est sûr, c'est pas le plus joli. L'extérieur était bien fait. Je trouve voilà, les deux pagodes, ce que je tiens à signaler, moi, c'est que c'est le genre de construction, c'est pas comme un château. C'est assez fin au niveau de l'architecture extérieure et donc c'est d'autant plus remarquable d'avoir fait ça avec des cubes. Donc là, vous vous dites, on se fait chier quand même, hein, parce que là, c'est du cobble. Excusez-moi, j'ai pas trop... Je travaille pas assez mes vidéos, c'est possible, puisque j'arrive sans savoir ce que je vais faire. Ça, c'est le côté spontané.
Ouais, donc bien rendu, il a mis du grès, des haies, c'est vrai que c'est de la cobble qui, pour le coup, fait joli. Et là, on a, je sais pas si c'est un bug, ah non, c'est pas un bug. Un chemin. Oh oui, il y a une deuxième, c'est vrai, qui a été faite par je sais pas qui. Alors, une petite pagode, elle est très jolie. Et derrière aussi, là, je sais pas ce que c'est, un dojo, un temple, quelque chose qui me paraît aussi. Bon, alors ouais, donc si cette zone pouvait se développer, ce serait pas mal. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, le chinois, je sais pas que j'aime pas, mais je me sens pas de le faire. Donc, je viendrai sûrement pas construire, mais je trouve que c'est... c'est bien, c'est joli, il faudrait qu'il continue à faire une muraille de Chine. Il faut dire que, ben, vous savez, hein, qu'avec la moyenne d'âge des joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont dans les 20 et quelques, il y a pas mal de fans de manga, et donc c'est normal qu'on voit ce genre de projet se développer. Vous allez voir d'ailleurs que cette pagode, comme... Oh, j'ai posé une torche. Comme certaines constructions que vous avez vues dans la vidéo, vont se retrouver dans le générique. Les amis de Minecraft, je vous laisse et on se retrouve pour la dernière merveille. Je ne peux pas défendre. Et voilà la dernière étape. Bon, c'est peut-être pas le plus beau point de vue qu'on ait. C'est le Havre Blanc que j'ai déjà présenté. C'est une ville qu'on a fait au tout début du serveur. On cherchait un coin un peu spectaculaire pour s'installer. On a trouvé ça, donc des criques gelées. Avec des petites falaises quand même, finalement on a trouvé ça super, mais c'est quand même des petites falaises. Vous voyez, il y a une première crique, on passe, ici c'est naturel, une deuxième. Et donc on a quand même imposé aux joueurs une certaine cohérence dans les maisons, et ça a été respecté, je trouve, si vous voyez. Donc on a des sortes de machins pour se balader, voilà, super. En bois, les intérieurs sont dans la roche, avec le droit au vert, et pas mal de bois et de neige, je trouve que ça reste blanc. Et la troisième ici, donc il y avait la deuxième crique derrière, la troisième baie, et la dernière ici, qui forme un ensemble assez sympathique. Alors le problème du Havre Blanc, c'est que ça c'est chez moi, j'ai déjà présenté. Très moderne, mon intérieur. Et là, c'est les deux boules de l'Ophée, à l'échelle, je crois, 10 000 fois plus grande qu'au naturel. Donc ça s'est développé très bien, mais depuis ma foi quelques semaines, ça souffre de la concurrence des hausses qui se... Depuis qu'il n'y a plus de téléportation par les warps, les joueurs aiment bien être près du spawn, c'est pour ça que ils sont plutôt vers les hausses. Et il y a une magnifique boule géante. Donc derrière c'est moins glacé. Voilà, le Havre Blanc qui reste quand même une des plus belles réalisations qu'on ait faites, surtout une réalisation communautaire. Son intérêt, malheureusement, c'est désert. Mais c'est comme ça, c'est la vie d'un serveur, je pense que c'est pareil. On fait des projets, puis après on en fait d'autres. On peut pas être partout à la fois. Donc il y a quand même le métro qui vient, mais il n'y a pas super d'intérêt à venir ici maintenant, puisqu'il n'y a plus personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bien sûr, enfin bien sûr, je sais pas ce que la vie me réserve, mais j'ai bien sûr dans l'idée, dans la volonté d'en faire une deuxième, puisque j'ai lésé pas mal de gens, je ne fais que cette merveille. Alors pourquoi 7? Bien sûr, hein, 7 merveilles, c'est un clin d'œil, bien sûr, à l'actualité, hein, c'est les 7 doigts des futurs bébés japonais. C'est pour ça que j'ai choisi 7 et pas 10, comme les 10 salopards quand il y en a quelques-uns qui sont morts. Voilà, on finit chez moi. Allez, à la prochaine vidéo.